Juste avant le début de la vidéo, je voulais vous informer que depuis hier en live, on a enfin commencé Zelda Breath of the Wild, que je découvre de A à Z. Et surtout, à partir de maintenant, tous les mercredis et vendredis seront réservés à ce let's play et au suivant, de 17h à minuit, mercredi et vendredi toutes les semaines. Le lien des lives est en description. Et si jamais, les épisodes du let's play sont postés sur ma chaîne secondaire, The Guild Replay, qui est également en description. Voilà, bonne vidéo. Ça va quoi? Ah! Oh, je suis assassin. Non, attends, mais je suis un rôle solo, mais pas assassin du coup. Oh, je suis imitateur. C'est trop bien, imitateur. On peut faire un truc dans la game, on peut faire quelque chose. Il y a des bons joueurs quand même. Après, tout le monde est très bon d'une manière générale. Oh, sa maman! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, si, ça vient. Bon, LGUHC existe depuis maintenant bientôt 7 ans. On a pu tester l'intégralité des rôles, établir toutes les stratégies possibles et inimaginables, gagner avec tous les camps, tous les rôles solitaires, gagner même 3 fois en assassin. Bref, on a en quelque sorte fait le tour du jeu. Enfin, c'est ce que je croyais, avant de jouer cette partie-là. Bienvenue dans un LGUHC unique, où il s'est passé quelque chose que je n'avais jamais vu en presque 7 ans de jeu. Alors pour les éventuels nouveaux, je rappelle qu'il s'agit d'un simple jeu du loup-garou, mélangé à un jeu de PVP Minecraft. Tous les joueurs obtiennent un rôle, s'ils sont villageois, ils devront trouver les loups et les éliminer, et inversement. Et il y a, comme dans le jeu du loup-garou de Tiercelieu, pas mal de particularités qui viennent bouleverser la partie. Comme par exemple le couple, qui associe deux joueurs ensemble, peu importe leur camp d'origine. Et comme dit, la partie d'aujourd'hui sera absolument unique. Contexte. Il s'agit d'un LG joué avec le groupe un dimanche soir. Car oui, tous les dimanches soirs à 21h, c'est le rendez-vous habituel de notre groupe de streamers pour jouer un loup-garou en live. Se trouve donc dans la partie un grand nombre d'excellents joueurs, que ça soit sur l'aspect stratégie ou PVP. Nous jouons une partie à 26 joueurs en composition cachée, ce qui signifie que personne ne sait quel rôle compose cette partie. Et c'est là que tout va devenir intéressant. Est-ce que tu peux faire comme le Naruto, tu caches ton rôle à 20 minutes et le ticket d'or, bah la personne sait si elle a gagné au moment où tu découvres le rôle? Eh bah écoute, tu sais quoi? Je trouve que c'est une excellente idée. Hop! Ça dégage. Plus de chat, on va essayer de trouver c'est quoi notre rôle. En vrai, venez, on fait une game sans voir notre rôle. Et on essaie de trouver ce que c'est au fur et à mesure. De toute façon, si on est loup-garou, on va vite le savoir. Venez, on fait une game sans voir notre rôle. Ça peut être quelque chose en vrai. Mais en vrai, t'imagines le giga malaise si je suis enfant sauvage et que je dois choisir un modèle. Si je suis enfant sauvage que je dois choisir un modèle, mais que du coup, je ne connais pas. Bah, je ne sais pas ce que c'est ce rôle. Bah, en vrai, il faudrait quand même que je fasse LG choisir au cas où. Ah! Oh, je suis assassin. Je suis assassin, c'est sûr. Y'a que ça qui force le jour. Je suis qu'assassin, y'a pas le choix. Bon, allez, on regarde. Messieurs, mesdames, je crois. Est-ce que c'est ça? En vrai, qui a strength le jour à part assassin? T'as pas eu les livres? Ah bah non, c'est pas assassin du coup. Non, attends, mais je suis un rôle solo, mais pas assassin du coup. Oh, je suis imitateur. C'est trop bien, imitateur. Non, c'est trop bien, mec, c'est trop bien. C'est le voleur en gros, mais qui est solo quand même. Vous devez gagner seul pour vous aider. Vous récupérez les effets de la première personne que vous tuerez ainsi que les pouvoirs qu'elle avait encore. Vous avez l'effet strength 1 jusqu'à ce que vous voliez un rôle ou jusqu'au milieu de l'épisode 6 et vous aurez speed 1 pendant une minute après votre premier kill. C'est trop bien, mec. Faut que je tue un loup en fait. Par contre, le problème c'est qu'il faut que je sorte vite du coup, ça veut dire. Bon, du coup, qu'est-ce qui serait bien en vrai là? Qu'est-ce qui serait bien qu'on vole à part l'assassin? Parce qu'en vrai là, j'ai strength 1 perma, hein, les gars. J'ai strength 1 perma pendant pas mal de temps quand même, hein. Au milieu d'épisode 6, hein, ça fait 2 heures de jeu. Bon, en vrai, un loup, c'est bien, hein, franchement. Hein. Un loup, c'est clean. Hein. En plus, dites-vous là, hein, ma force, c'est pas une petite force. Hein. J'ai 60% de force. Hein. C'est-à-dire que je tout shot, enfin, je trishot les mecs. Hein. Oublie pas la T4. Hein. Mais mec, ça va être impossible à faire la T4. Quoique si, en vrai, ça fait combien de livres? Il me faudrait 7 livres sharpness en soi. Si on y réfléchit, il me faudrait 7 livres sharpness. Je peux pas faire de livres en plus. À moins que je trouve genre un stronghold, quoi. Bah, il faut que je fasse T4, j'ai pas le choix. Faut que je fasse la T4 diams. Hein. Quitte à ce que ça me fasse que du protection 1 sur le stuff diams, au pire, c'est pas très grave. Mais la T4 en diams, c'est hyper important. Mais là, déjà, il me faut la table d'enchant en fait, déjà pour commencer. Au pire, je sors à 60 minutes, c'est pas grave. Y a qui dans la game de vraiment chaud là? Nardco Nanox, y'a Restump ou pas? Marwan, on peut faire un truc dans la game, on peut faire quelque chose. Y'a des bons joueurs quand même. Après, tout le monde est très bon d'une manière générale. Oh, sa maman! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ma, mais qu'est-ce que c'est que ça? Imitateur rôle solo avec Marwan. Mais mec, la game va être incroyable! Voilà, le contexte est posé. Je suis imitateur, rôle solitaire pouvant voler les pouvoirs et effets du premier joueur que je tue, en couple avec Marwan, l'un des meilleurs joueurs de la partie. On devra donc gagner tous les deux ensemble, peu importe son rôle ou son camp, avec la difficulté supplémentaire que si l'un de nous demeure, l'autre sera emporté également. Petite précision importante, comme je suis rôle solitaire, j'ai le droit de crafter une épée Sharpness 4, ce que les autres rôles ne peuvent pas faire. Avec l'effet force permanent octroyé par mon rôle, ça peut clairement nous donner l'avantage dès le début. Il va donc falloir mettre une stratégie en place. Dernière petite chose, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à le faire. On rush les 400 000 abonnés et ça me toucherait énormément qu'on les obtienne ce mois-ci. Alors je compte sur vous si c'est pas déjà fait. Mais ça va être fou! Oh, c'est incroyable! Oh, ça va être trop bien! Peut-être charmeuse. Bah, on verra, hein. S'il me donne un rôle qui est précis, il sera pas charmeuse. Hein. Oh, c'est trop bien! En plus, avec Marwan, ça fait plaise! Franchement! Alors peut-être un nouveau love, peut-être. Bon, après le dernier a bidé, hein. Mais bon, après ça c'est. Oh, c'est pas mal, je suis content. En vrai, c'est cool. Ça serait cool qu'il me rejoigne parce que moi je vais pas y aller. Hein. Vu le peu de stuff que j'ai. Quoique, en vrai, c'est peut-être moi qui devrais y aller, non? Si les solo, tu voles en solo. Si les villages, tu voles village. Et LG, tu voles LG. Si la partie est pas marrante, t'assures ta victoire. Ah non, mais non, mais dans tous les cas, on est obligé de gagner solo là. Hein. Votre amour est si fort que vous devez battre tous les autres joueurs pour l'emporter. Moi, de toute façon, je suis. Les gars, n'oubliez pas un truc, c'est que je suis pas voleur, hein, je suis imitateur. C'est-à-dire que même si je vole un rôle, je dois gagner tout seul. Donc dans tous les cas, on doit gagner à deux. En vrai, faudrait que j'aille le rejoindre en vrai. Attendez, faut que je fasse la boussole parce que du coup, ma boussole n'a pas droppé. Faut que je fasse ma boussole et je vais le rejoindre.
Je vais juste récupérer ça si vous me permettez. Parce qu'en fait le truc c'est que j'ai besoin de livres supplémentaires en fait. J'espère juste que je vais croiser personne en y allant. C'est juste ça. Voilà, comme ça moi je fais ma T4. De toute façon au pire je sors à 60 minutes et alors. On n'est pas pressé de toute façon. Ouais, j'espère que je vais croiser personne, c'est ça exactement. Si vous jouez en couple, t'as intérêt à garder la force OP. Bah en fait c'est pas ça le souci, c'est que moi je la perds automatiquement, je la perds après. Donc il faut que je chope un rôle qui a force. Et je pense qu'un rôle qui a force qui peut me mettre bien, ça serait vraiment un assassin quoi. Par contre j'espère qu'il m'amène pas vers le 0 là, Marwan 2 là. Ah mais je suis obligé de passer par le 0-0 pour aller le voir. Oh mais il va forcément y avoir un mec qui va me voir. C'est sûr, vu ma chance. Je crois qu'il est vraiment à perpète, hein, par contre. Hein. C'est un truc de fou, mais je crois qu'il est vraiment à perpète. Je vais jamais sortir, les gars, je crois, de cave. Non, mais attends, mais dis pas qu'il est à la bordure de l'autre côté, quand même, là. Parce que là, je vais juste péter les plombs, là. Mais bro, tu fais quoi? Mais tu fais quoi, là? Salut. Ah, en plus il a du stuff et tout déjà. Faudrait qu'il me donne ses diams sans rab. En fait je crois qu'il peut pas voc là tout de suite je crois. Ou alors je sais pas, ou peut-être qu'il est en train de gérer d'autres trucs, je sais pas mais... Ok, un sharpness, il m'en faut 7 hein. Ah ok, d'accord, du coup il peut pas venir ouais. Ouais sinon ça paraît cramé ouais, vu qu'il est avec Risto et tout ça. Ok, bah il va me mettre les cœurs hein. Parfait. En vrai les bienfaiteurs c'est nickel hein. Les 3 cœurs en plus pour moi. Oh là 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 là, c'est banger. En fait je peux pas m'éloigner, je peux pas partir miner en fait. Tant que Marwan n'est pas avec moi en vocal, je peux pas partir miner parce que bah, après on peut pas se retrouver. Allô. En fait. Ouais beau gosse. Ouais je bien. Mon gars là faut que t'arrives là. Mais oui mais en fait tu pouvais pas partir parce qu'on peut pas se retrouver sinon après. Toi tu vas pouvoir remonter, on s'en fout. Ouais, mais c'était juste pour dire, t'as mis tes cœurs ou pas pour le bienfaiteur? Non, bah non, mets moi les 3 vas-y hein. Tu sais ce qui fait mon rôle? Non. Bah je suis un voleur. Je vole le premier rôle que je tue et j'ai force perma. Donc 60% de force perma jusqu'à la fin d'épisode 6, donc il faut que je vole bah, le meilleur rôle possible quoi. Je crois que Christo il est peut-être salvateur. Enfin je sais pas, en gros il a dit qu'il avait un bon rôle et j'étais sur la salvation le premier jour. Peut-être qu'il était salvateur. En vrai mec attends, je gagne les pouvoirs qu'elle a encore. Ainsi que les pouvoirs qu'elle avait encore. Les effets et les pouvoirs, mec si je tue Risto, si je tue le salvateur, hein, j'ai la salvation infinie. J'ai la salvation pour nous deux. Ça peut être intéressant lui ou alors un loup, mais en fait je sais pas, un loup ça me fait un peu peur quand même. Mais bon. Juste tu connais les dons et tout ça? Bah vas-y dis-moi. Hein. Quand tu vois un don 1 comme ça là, c'est que tu spam don 20. Voilà. Et don 2, c'est juste ton. Au pire à la limite, tu dis don 2, ça veut dire que faut qu'on se barre du 0-0 quoi au pire. Vas-y. Et le reste ça ira, je me débrouille après. Ok donc récapitulons. Marwan est bienfaiteur, un rôle villageois pouvant choisir de donner 3 cœurs supplémentaires à des joueurs de son choix. Et vu qu'il peut pas se les donner lui-même, tout va forcément me revenir. Il va donc direct sortir de cave afin de commencer à s'infiltrer pendant que moi je continuerai de miner tranquillou. On s'est alors donné des instructions grâce au slash don de vie qui est possible vu qu'on est en couple. Cette commande slash don permet de créer une sorte de langage, qui est la seule façon de communiquer en réalité. Donc en gros, voilà ce que ça veut dire. Si je reçois un don de 1% de vie, ça signifie que Marwan est en fight et que je dois lui donner en boucle de la vie à coup de 20%. Si je reçois un don de 2% de vie, ça signifie qu'il faut qu'on se tire rapidement du centre car on est cramé par exemple. Et normalement avec ça, on devrait avoir une bonne base de jeu. Je dois juste finir mon stuff maintenant. Ouais, voilà, nickel. Ah là on est bien, c'est quoi ça imitateur? Je connais pas, c'est comme le voleur, sauf que bah en gros, je reste solo quoi qu'il arrive. Alors là, qui viennent hein. Alors là qui viennent les gars. Moi je vous le dis, ici ça joue à l'arc hein. Il me faut juste un tout petit peu d'XP, je fais power 3 et je remonte. Hein. Même si je remonte hyper tard hein, mais bon. Laissez-moi un tout petit peu de temps s'il vous plaît. J'ai pas de cas bon. Non. Attention à ce truc. Arrête. Ça se tabasse là non? Ça se tabasse un peu là non? Ou je rêve devant? Mais t'es cramé. Ah, Risto qui dit qu'il est cramé. Ah oh, bah c'est Nartko du coup. Ah non c'est Galax qui disait à Nartko. Ah je fais genre... Il est méchant. Il est méchant. Fumez Galax, fumez Galax, fumez Galax. Il est où aussi, il est où aussi. Okay. Je viens de l'entendre. Oh, fumez, 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 fumez. Je viens de t'entendre. Tu viens de dire à Nartko, t'es cramé frère. Allez, allez, ça dégage là, allez, c'est bon. Allez. Si Galax est loutre, il est loup, hein, voilà, je vous le dis. Ah bah après, vu ce que t'as dit à. Oh, il y en a un, il a force. Hein. À Nartko. Hein. Bah oui, c'est toi qui a force, oui. Oui, mon gars, c'est toi qui a force, oui. Mais ils veulent pas bouger les gens d'ici. Bah ouais, ça serait cool en fait. Là, ils sont vraiment à 600 mètres. Parce que genre, c'est chiant quoi. Sinon, vous voulez pas bouger, genre les gars, sinon. C'est des acteurs. Le boost. On est vraiment 3 quoi là. Je jure que je perds l'abso et 2 cœurs en même temps. Va falloir m'expliquer là. Mais t'as pris 2 hits en même temps. Wesh. Les gros bras. Hop, une bonne chose de fait. Alors si tout se passe bien, normalement je devrais avoir éliminé un loup. Par contre, il y a légèrement un souci. Je l'ai vraiment trichote quoi. Et ça c'est vraiment pas normal. Je veux dire, là c'est carrément obvious que j'ai un effet de force. Et surtout avec la sharpness 4 qui fait encore plus mal du coup. Ça peut potentiellement m'attirer des soupçons par la suite. Mais on verra plus tard. En attendant, j'ai déjà volé un rôle. Et ce dernier n'est autre que... Le gars au vengeur. Moi je pense qu'on fera castrail hein, franchement je suis très sérieux. Je les ai croisés à 300 blocs du 0, ils étaient tous les deux, ils veulent rester à deux depuis le début. Et je suis persuadé qu'ils allaient me tuer si j'étais Moi ce que j'ai vu quand je remontais de cave, là j'ai vu juste Jibridou qui s'est fait tuer par... Oui c'est fait tuer par Nartko, Jibridou s'est fait tuer par Nartko, c'est tout. Là t'es remonté maintenant, c'est quelle heure pour remonter? En LG moi j'ai des gros soucis moi. Et du coup Trail il est méchant non? Bah je sais pas, sûrement ouais. Nanox c'est ce qu'il dit. Bah je crois qu'ils étaient à droite. Je l'ai vraiment tout shot, Galaxa, c'est abusé quoi. Mais bon, la responsabilité.
arrêter s'il est pas méchant. Non, bah après, s'il est pas méchant, j'aurais tué un safe quoi. Ouais, la skip il est méchant avec Narco. Oui, mais... okay. Non, mais c'est pas un skip, c'est pas un skip, c'est il est méchant en fait avec Narco. Tu étais en train de remonter de cave kill. Oui, littéralement. Pris en fragment délire. Un fragment délire, vraiment. Et je te jure, vraiment, je suis en train de remonter, j'entends la voix de Geeky, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout là, 500 blocs. Rido, il était gentiment en train de rigoler, c'est fait fusil. Oui, c'est ça l'idée. Moi, je l'ai reçu l'épisode d'avant la salle. Ah, j'ai reçu deux fois, moi, voilà. Ouais, voilà, du coup, oui. Bon, c'est Risto. Bah, je sais pas. Bon, moi, je pense pas que c'est Risto. J'aurais pas dû dire ça. Je viens de capter, j'aurais pas dû dire ça en fait. Je suis trop con, ils ont pas l'info. Faut pas que je dise plus de choses. Je suis trop con, faut que je ferme ma gueule, je pense. Faut que je me taise, je dis rien de plus là. Alexa, le garou, allez, c'est fait grimer, allez, Salva. Comment tu sais ça? Elle a attaqué Marwan, genre pour Dahak. Marwan lui a mis des coups d'épée, elle a claqué sa potion de ville. Ah, d'accord, bon. Bye. Là, je vais tabasser les loups là. Ouais. Attends, mais. Ouais, il y a moyen qu'on soit tous safe, mais je pense qu'il y a des loups. Attends, pourquoi j'ai le chat des loups? Pourquoi j'ai le chat des loups là? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire là? J'essaie de faire croire à un hurleur dans un groupe ou quoi, je sais pas. Un peu gaze mon rôle là, putain. Bon, moi j'aurais mis un coup d'épée, hein. C'est plaisir. Non, moi je m'en fous, j'ai un coup d'épée. Parce que tu te battu au début de la game. En vrai, ça me bat. Pour être méchant. Mais après, c'est pas des sur à son poste. Attends, y'en a qui sont sneak. Y'a Nordco en bas, les gars. C'est vrai, bah go ce que c'est. C'est l'un de vous deux l'infect là? Non. What the fuck? Pourquoi il a pas infecté Bridou? Putain, il a niqué la game. Ça m'a cramé, ça a cramé Galax, ça a cramé toi. Oh! Attention à ce trou là. Attends, arrête là de me suivre. Ouais, dégage là, laisse-moi attends, tranquille. Mais j'ai 3 coeurs! Bah oui, je m'en doutais. Alors qu'il était sorcière, c'était Bridou, tout était parfait frère. Nordco, comment les compis descendent pas? Oh les gods. Oh la plaine. Let's go. Chose barrée, hein, va attendre l'année, hein. Et il en couple, l'infect. Et même s'il en couple, il faut infecter, hein. Là, on est 5, nos deux mates, c'est. Enfin, les deux mates récents, c'est pas non plus. C'est pas CR7 MSI, enfin, vas-y, quoi. Ok. Bah, ouais. J'ai pas le rôle. J'ai pas eu. C'est qui les gens que t'as dit qui sont méchants? Trail, Nordco. Putain, Trail est méchant, putain, c'est bizarre ça. Les loups arrivent enfin à prendre des kills. Mais ça s'annonce compliqué pour eux. Ils ne sont plus que 5 sur les 21 joueurs restants. Alors autant dire qu'il va falloir qu'on joue nous aussi. Sauf qu'il s'est passé quelque chose d'absolument imprévu. De toute façon, Kung, il reste tout ensemble. Ah bah tiens. Oh, mais mec, c'est pété! C'est OP! Mais non, c'est OP, mec! Oh non, c'est. Petite remise en contexte. En tuant Galax précédemment, j'ai volé son rôle et ses pouvoirs. Son rôle, loup-garou vengeur. Tiens, allons voir vite fait le document des règles, ce qu'il dit. Lorsqu'un loup-garou qu'il a croisé meurt, il gagne un cœur potentiel supplémentaire. Est-ce que vous venez de réaliser la dinguerie que c'est là? À chaque fois qu'un loup va mourir, je vais gagner un cœur supplémentaire. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez du début de la partie quand on a attaqué Galax? Il y avait littéralement 600 personnes autour de nous. Et donc il y avait forcément tous les loups aussi autour de nous. OMG, ça peut être potentiellement une dinguerie là. Alors on va quand même attendre encore un petit peu. Mais s'il s'avère que ce pouvoir marche réellement, il faudra qu'on extermine tous les loups le plus vite possible avant de trahir le village. Non, c'est trop fort. C'est OP sa mère. What the fuck, mec. Ouais. Vous êtes full safe ou pas, dans votre groupe? En tout cas, y'a pas de loup. Putain, les gars. Ah ouais, mais c'est vraiment... C'est grave. Putain, mais mec, c'est trop drôle, mon rôle. J'ai volé le meilleur rôle du jeu. A partir de là, notre stratégie est claire. Il faudra tuer tous les loups le plus vite possible afin de monter le plus haut possible en vie. C'est maintenant que la game commence réellement. Je peux pas heal, hein, les gars. Je peux pas heal. Parce que sinon, ça paraît suspect si je heal là, je pense. Tu mettras full vie après, c'est pas grave. Non, on va vraiment pas mettre de coups d'épée, ça me terrifie. On va se taper entre nous, je sais pas quoi. Mais non, c'est trop fort. Mais mec, j'ai 16 coeurs. Du coup, faut qu'il y en ait un de nous qui bouge. Moi, je reste. Moi, je reste, les gars, j'ai enragé. Ah, je suis bah, ça doit bouger en vrai. Ouais, mais moi, j'ai commencé à tomber en mode. Bah, reste alors, je suis mort. Non, moi, je reste, moi, je prends ma place. Allez, je viens avec vous, les gars. Bon, bah, plus, hein. Damien. Mais mec, mais tous les potentiels loups sont en train de clamser, mais c'est fini. Ouais, je pense que c'est l'infect, je pense qu'il a pas infecté. C'est quoi ce rôle de ouf? C'est quoi ce rôle pété? Ça n'a aucun sens. Faut qu'il tue encore d'autres loups, hein. Y'a combien de loups qui sont morts dans la game là? Attends, 1, 2, en comptant l'enfant sauvage, 3. Non, y'en a plus, mec. 5. Y'en a eu 5, ouais. En comptant l'enfant sauvage. Il y a sûrement pas eu d'infecté du coup. En plus, il reste. Alors, du coup, il reste Zenowing. Zenowing, Nordco, Strail. Vieux sage. C'est bizarre parce que j'ai entendu. Ah oui. Ça va être compliqué là. Vous êtes les trois derniers de la liste? Ouais. Oh, ça c'est un mensonge. Non, il reste un genre. Les gars, vous pouvez nous aider? Ouais, y'en a pas un qui va nous aider là. Mais par pitié, on est que deux. Vous êtes cons ou quoi? Oh là, des gens débiles comme. Je prends les gaps vite fait. Je prends les gaps, attendez-moi. Hein. Je suis tellement stress. Il était sœur. La sœur, elle a infecté. En gros, c'est. Ouais, mais du coup, pourquoi elle a accusé Ayub d'être en couple, papa? Je sais pas. On reste ici ou parce que là, on va attendre le jour. On attend le jour, hein. On attend le jour ici. Hé!
Bah parce que juste vous êtes. Parce que je sais Amine que t'es loup en fait. Je suis vraiment PF. Et j'ai vu le chat. J'ai vu le chat des loups donc bon. Oh, c'est qui met des coups d'épée là derrière? C'est boost moi je crois. Oui moi aussi je t'ai boosté moi. Déjà tout à l'heure hein. Non mais me tue pas Guil, mais non. Non mais il est avec nous. Ah mais j'en sais rien moi. Comment je fais pour savoir? Mais parce que je sais pas, il m'a dit que je faisais confiance, je pensais qu'il était Cupidon. Ah mais j'en sais rien, mais moi mais il a qu'à faire plus de signes que ça aussi, moi j'en sais rien moi qu'il est Cupidon. Mais oui mais j'en sais rien aussi, genre comment tu veux que je sache, genre Ah SV Cupidon. C'est qui fait tout ça là? C'est le coup, c'est les solos? Je sais pas, ils font un taf en vrai. Hein. Il y a beaucoup de kills, c'est pas nous. Hein. Ah, tant mieux. Hein. Je suis étonné. Mec, je vais te dire un truc de fou. Tu sais quel rôle j'ai volé là quand j'ai tué Galak? J'ai volé un loup qui récupère un cœur à chaque loup qui meurt. Du coup, tu veux savoir ma vie là? J'ai presque 2 barres de vie. Hein. T'as combien? Bah là, mec, attends, j'ai 16 cœurs. Ah, et oui. Ça monte petit à petit, ça monte. Mais oh, j'en savais rien. Mais en même temps, oui, je tout shot moi, du coup, j'en sais rien en fait. Ouais, là, t'as vu tout à l'heure qu'on a un creux de groupe, il a dit ouais, je te fais confiance. Et... Ah, mais je sais pas, moi. Bah oui, mais en même temps, je te fais confiance. Ça peut être, comment dire, un rôle type, tu sais, qui connaît le fait que tu bienfaiteur, tu vois, moi j'en sais rien. J'ai pas du tout réfléchi au fait que ce soit ça. Non, mais ça nous met tellement dans la merde en fait, c'est my bad. Hein. Mais moi je partais du principe en plus qu'il n'y en avait pas. En fait, il a tellement bien joué, Chiquita, que je pensais pas une seule seconde qu'il était Cupidon. Non, moi il m'a dit de le confirmer, j'ai compris direct, je me suis dit bon. Ah ouais, moi j'ai pas compris moi. Bon, c'est le moment d'aller zéro. Hein. Moi je fais avec la nuit plutôt, mec. Ouais, je sais, mais en gros, eux ils partent en vrai, si on peut choper des mecs au zéro qui dorment, ça après ça les met en groupe de 3. On dit qu'ils sont fait tuer par un Nartco. Les deux là qui sont morts. On dit qu'on a fait avec les loups. Ah oui. Tu te souviens de qui c'est tous les loups? Bah, il y a eu Trey, Zenowing, Nartco. Ouais, voilà, tu diras ça. On dit ça. Tu penses que là on peut rester au truc là? Que vous êtes cramé hein. Comment ça? C'est qui tu veux parler déjà? C'est LRI. Mais LRI t'es quoi mon pote? Non. Les PF. Mon pote, comment ça t'es on est cramé? Bon bah il doit avoir raison hein. Tiens, j'ai full int dans cette game pour l'instant, faut que je me mette dedans parce que là, faut que je me remette dedans là. N'importe quoi, même un loup et tout, on tue en vrai si tu fais ta pièce. Mais de toute façon si on tue un loup mec je gagne 10, un cœur supplémentaire donc Ah oui c'est vrai en plus. Non mais mec c'est n'importe quoi hein. Faut comment qu'on en garde un ou deux. Et faut qu'on fight de nuit surtout hein. Moi je fonce dans le tas hein, je pense que je m'en fous hein. Je fonce dans le tas et je cours et puis voilà hein. Au pire tu me slash don après mais je pense que. En vrai je peux un V4 hein. De nuit avec la T4 je les touche tous. Ah c'est vrai. C'est-à-dire ouais, que moi je leur mets 3 coups, je les tue et ils doivent en mettre 150. Alors si toi derrière t'es en plus en train de me. Ah t'es slash don. Je sais pas s'il faut aller au zéro là mec, je t'avoue. Alors sous les arbres. Vas-y, go sur les armes. Parce que là, on va croiser une team, enfin un groupe de 4. Ah, ça. Tiens. Oh, si, ça va bien, bien, c'est tout ça. Ils sont trop, quoi. Ouais. Oh, comment des bois là. Oui. Ils sont pas que 3, hein. Je pense qu'il doit y avoir un loup parfait. ouais, bon, un solo. C'est la nuit. J'espère bien qu'il va jouer votre solo. Je pense que c'est pas ici hein. C'est pas moi les gars, vous l'avez. Venez, on joue. Je suis tombé en bas les gars. Ok. Je suis tombé en bas les gars. Ok. C'est bon, je suis remonté. Non, je drop mon épée. Pardon. Mais comment je fais la drop? Les gars, allez, drop son épée. Attention. Non mais je suis bien niveau vie, juste j'ai pas volé mon épée. Tu vas pas venir Marwan frère? Si on peut en fait. Mais pourquoi vous? Les deux sur place. Ouais. Attends, je suis un peu loin là. C'est débile frère. T'es où? T'es où? T'es en bas? T'es où Marwan? Il est où Marwan? T'es là? Il est où? Salut mec, ça va? Bien toi? Ouais bah écoute ça, j'ai un rôle qui est un peu. Ah bon hein? Pourquoi? Parce que je suis pas censé avoir entendu. Plutôt mal. Ah oui. Ouais, je l'ai perdu du coup. Ouais, il s'est barré d'un coup, je l'ai du père là. Bon après, est-ce que c'est vraiment si grave que ça? Salut, ça va mec? T'es sûr de vouloir nous tuer? Les deux LG. Ouais. Mais je crois que. On t'a entendu, Guy là. Vous fightez? Ouais, bah oui, c'est ce qu'on fait là. Ah. Bah, ok. Petit problème là. J'ai entendu, Erit c'est mort là. Il a 53 gap. Qui? Clem. Ah mais il est parti trop vite, j'ai pas eu le temps de le suivre. Pas le temps de le suivre en fait là. Faut qu'il revienne au zéro là, y'a pas le choix. Hein. Ok, il a tué Flaz, nickel. Le problème c'est qu'on s'est séparés en fait, si on s'était pas séparés on était bien là. Mais ouais, j'ai pas réussi à le suivre, genre d'un coup il a disparu quoi. Let's go. Regardez ma vie frère, ça n'a aucun sens. Mec, j'ai double barre de vie quasiment. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait le seul truc vraiment sur lequel on peut mourir c'est vraiment si Marwan meurt quoi en fait. Parfait, je crois qu'il est en train de continuer à fight hein. Je vais au zéro, je vais le trouver. Toi t'as une info, moi je
bien. Ouais, ça va, mec. Bah, je t'ai pas réussi à te suivre, mais c'est pas grave. Oh, okay. Derrière. T'as des gaps, s'il te plaît? Un petit peu? Ouais. Mon rôle, c'est n'importe quoi là. T'as combien là? Tu as 18 là. Il y a plus de villageois. Quoi, il y a Eri? Non, ah, non, Eri, Eri, je pense qu'il est loup. Hein. Attends, mais tous les villageois sont morts. Non, je crois pas. Mais pourquoi il nous aurait dit qu'on était cramé alors? Il est forcément loup, mec. Ah, il y a Nitro derrière. Salut. Wesh. Tu fais avec tes kits Blast, hein? Il y a un solo chez vous là. Sûrement, oui. C'est sûrement Marwan, ouais. Il y a un des deux qui est sur mon solo, quoi. Il y a aucun solo de mort. On a même tous les deux solo. Attends, tous les deux non, solo. C'est faux. Non, c'est faux, c'est faux. Ah, ouais. Attends, mais. Ah, vous êtes encore deux LG, vous? Non, 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 mais pas. Ah, oui, non, Zeno il est LG, mais pas Nitro en fait. Ah, je suis le dernier LG, quoi. Surtout, je crois que Nitro t'es surtout solo, toi aussi en fait. Ouais. Ouais, ouais, toi aussi t'es solo, hein. Mon salaud. Fais gaffe derrière toi, hein. Dans une minute, j'ai la force, hein, donc on est bon. Bon, je fais mon stuff maintenant. C'est le moment, en fait. Ouais. Il est assassin. Oui, il est assassin. Go, viens, on back un peu. Oh, on a juste une minute à attendre. Tranquille, je pense. Il m'a fait trop chien. C'est bon. Vas-y, encore un tout petit peu. Ouais, tranquillement. Genre, juste 40 secondes. On est bon. T'as besoin du don, tu me dis. Ouais, non, tranquille, je suis bien. T'en as combien, Marwan, toi encore, Tada? Ah, ouais, m'enfile au cas où. Ouais, vite fait. Faudrait que tu m'enfiles parce que. Vu que ouais, je peux. T'as des gars, ouais, ouais, bah oui. Non, hein. Ça va, quoi. On a au moins un stack chacun, hein. Au moins les stacks. Au moins un stack chacun, t'inquiète pas. Ça va alors, c'est qu'un stack chacun. Oui, c'est juste un stack, après c'est pas énorme non plus. Hein. Fais gaffe, mec, hein. Un V1 il te tue. Ah, ouais, c'est ça qu'il a la force lui aussi, du coup. Ouais, ouais, je l'ai. Je crois qu'il l'a. Ah, t'es perfide. Perfide solitaire, mon pote, ça me fait putain de plaisir en vrai. Oh le con. Je regardais Marwan derrière s'il y avait. Il est parti. Ça fait combien de dégâts le coup là? Pas mal, je crois. Voilà. Pas mal. Il avait 15 cœurs de base, quoi. Ah ouais, let's go! Encore un cœur de plus, mec! 19! Tu as 15 gaps, t'as combien? J'en ai 2, 13. Mais mon kill là! Y'a plus de loup là! Non, y'a plus de loup, je crois. Y'a Skin Nitro, Clem, Eri. Là. Eri, du coup, là, il y a surtout Nitro là-bas. Surtout, faut que tu focus Nitro. Hein. Ouais, ouais, bien sûr. Et après, il va nous faire chier avec sa force. Ouais, 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 t'inquiète. Tu mens, mec, hein? Je vais faire pirate. Et les renforts sont aussi derrière! Ah bah ouais, mais attends, je me fais focus là. Cours, cours, mec, cours. Je te rejoins. Tourne à droite si tu peux. Je suis là. Ouais, non. C'est bon. Avec tes 40 cœurs là. Pas loin, ouais. T'as de la chance qu'il soit bien pété en plus, hein. Ouais. C'est vrai que j'ai de la chance. Ah ouais, viens, je suis avec toi, ouais, je suis avec toi. T'es là ou pas? Ouais, je suis avec toi. Merci pour la flèche derrière, je sais pas qui, mais. Non. Il est très low, Nitro. Très long. J'étais à 5 heures. Derrière, il y a quand même. Pardon, je suis quand même, il est pas hyper bien en ligne. Encore plus maintenant là. Ouais. Mort. Bien joué. C'est bon. Mon casque va broke, mec, tu meurs. Juste. Hop. Je vais prendre les gaps. T'as combien de gaps? J'en ai 16. Ça j'aurais bien un peu s'il te plaît, mec. J'en ai 3. Bon, Nitro, il va te démarrer, hein. Fais gaffe. Hein. Faut que tu me laisses fight contre Nitro. Ouais, fight Eri et moi je m'occupe de Nitro. Ouais. Vas-y, ça me va. Ok, je crois. Ouais. C'est vrai que Eri a pas d'arc, hein, donc en vrai. Fais gaffe, avance pas trop. Oh, c'est horrible! Oh, mais c'est trop chiant! Ah, mon gars, t'as vu ce qu'on subit tout à l'heure là? Quelle d'arc là? Ouais, c'est bon. Fais gaffe! Non, t'inquiète. Non, mais je suis bien, t'inquiète. Là, je suis mis dessus. C'est bon, bien joué. On peut négocier, je suis rival. Let's go. Voilà, allez, c'est bon. Il était rival? Mais comment c'est possible? Moi, je crois pas, hein. Non, bah non, il est PF, hein. Ah si, il était rival. Ah si, il était vraiment rival, bien joué. En fait, il y avait des blocs quand, j'ai vu bienfaiteur imitateur, j'ai fait oh shit. Et quand j'ai entendu que vous aviez ça, j'ai fait bah. Pourquoi il y avait des blocs ici? Ah, mais je voulais juste tuer Marwan pour passer dans le couple et gagner. Et voilà, on remporte cette partie avec un total de 9 kills et surtout un rôle absolument complètement pété que je n'avais jamais vu en presque 7 ans de jeu. C'est la première fois que j'arrive à avoir 19 cœurs en LG UHC, alors que pourtant il y a eu presque une centaine de vidéos sur la chaîne. Ce cas de figure là ne s'était jamais passé. Donc voilà, je tenais absolument à vous partager cette game. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire pour me donner votre avis, ça soutient énormément la chaîne. Et puis si c'est pas déjà fait, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. On rush les 400 000 abonnés, ça me ferait super plaisir si on pouvait les obtenir ce mois-ci. Alors je compte sur vous pour vous abonner. On se dit rendez-vous tous les soirs en live sur ma page Twitch pour de nouveaux UHC. Et sur ce, je vous dis à très vite.